j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un petit haul Shein, enfin un gros haul Shein. Vraiment, j'ai pris des tenues, mais des tenues trop belles. Voici la taille du carton, on va essayer de se dépêcher histoire que cette vidéo ne dure pas 1000 ans. Première chose que j'attrape, je vois directement ce que c'est. Il s'agit d'une robe et quand je l'ai vue sur le site, autant vous dire que j'ai flashé dessus. Je pense que ce vert là, c'est littéralement la couleur de l'été. Du coup, voici comment elle se présente. Donc, c'est une robe semi-bustier avec des petits froufrous. Vous pouvez resserrer à la fin. Et c'est littéralement le style de robe que j'aime porter quand je sais pas quoi mettre. En revanche, sur le site, il me semblait que la couleur était un peu plus pétante. Mais ce n'est pas... Bah là, Tomate, c'est pas une couleur. C'est pas une couleur. Du coup, écoutez, c'est parti, on essaye ça de suite. Voilà ce que donne la robe portée. Je la trouve vraiment trop belle. Genre, vraiment. Mais je kiffe. T'arrives à la plage avec cette robe. On est d'accord, on n'a pas les mots. Même vous, je suis sûre, vous n'avez pas les mots. Cette robe est magnifique. Je kiffe. Dans mon tout premier haul, j'avais acheté cette postiche là. Il faut savoir qu'il y en a énormément sur Shein à moins de 10 €. Celle-là, je crois qu'elle était à 4,50 €. Qui est du coup ondulée et qui est assez épaisse. Donc que j'aime bien mettre au quotidien et que j'ai littéralement saigné. Mais du coup, j'ai commandé celle-ci dans cette commande. Cheveux lisses, du coup, qui est super longue. Et je vous jure, je vous garantis que la qualité est beaucoup mieux que celle-ci. Alors que déjà j'étais en amour pour celle-là littéralement. Mais là on dirait vraiment des vrais cheveux. Je suis désolée. Genre on dirait littéralement des vrais cheveux. C'est hyper fluide, tu vois. T'es en mode qui me peut, tu vois. Du coup, pour aller avec cette petite robe et toutes les autres tenues que j'ai pris une paire de sandales. C'est un motif de chaussures hyper tendance en ce moment. C'est tout simplement des sandales comme ceci. Hop hop hop. Par contre, j'ai peur qu'elle m'aille trop petite. Je vous montre de plus près. Est-ce que vous voyez? Clac. C'est des sandales vraiment simples. Juste ici, vous avez une lanière tressée. Dessus, vous avez marqué Shein en gros. Et écoutez, elles m'ont l'air assez robustes. Moi, c'est vrai que les sandales comme ça, c'est vraiment un été, pas plus. Oui! Mais gros pieds, ils rentrent dedans. Un autre article pour aller avec cette robe, mais avec toutes les autres tenues, puisque j'ai principalement pris des robes et des ensembles. On a du coup un sac. J'espère qu'il va être beau. Ça aussi, c'est une grande tendance, c'est un sac qu'on voit tout le temps. Et du coup, c'est un sac comme ceci qui est blanc. Donc j'ai pris blanc en vinyle parce que le blanc normal, il est en rupture de stock. Il part super vite parce que tout le monde le veut. Et du coup, c'est un mini sac comme ça. Non, non, faut pas me chauffer. Faut pas me faire des beaux articles comme ça chez Shein. Désolée, c'est trop beau. Genre petit sac hyper chic. Venez les filles, on va boire un verre à la playa. J'adore. Avec petites chaussures, sandales, hyper... Je kiffe. Ah, bah on a une autre robe. Alors cette robe-là, je l'ai vue passer sur tous les hauls Shein, je crois. Non, non, j'abuse. On va la tester. On va voir si elle vaut cette jolie robe verte. C'est parti, on se retrouve dans quelques secondes. Voyons voir ce que j'en pense. Déjà, je la remets droite. Non, j'adore. J'adore. J'avais vu dans le haul de Missou qu'elle disait qu'au niveau de là, au niveau du haut, je sais pas si vous voyez, c'est pas vraiment bien proportionné, à moins que je le baisse plus vers l'avant. Mais j'adore. Franchement, la matière est super fluide pour l'été. Parfait pour aller à la plage, petite soirée et tout. Elle est quand même assez transparente. Donc mettez des sous-vêtements chers avec. J'ai pris en taille L. Pour toutes les robes, tous les ensembles, j'ai tout pris en taille L. Je fais plus l'erreur de me sous-estimer et de croire que je fais du M. Alors que quand je reçois la commande, je rentre même pas une cuisse dedans. Prochaine robe, il s'agit du coup d'une robe blanche que j'ai ajoutée dans ma sélection au dernier moment. Et quand je l'ai vue porter, je me suis dit... Oh, je sens que je vais aimer. Oh, je sens que je vais aimer. Alors, regardez. Donc, j'ai pas le Covid. Hein. J'ai juste la toux. Il s'agit du coup d'une robe comme ceci. Et je pense que vous voyez déjà le style. En fait, vous la mettez comme ça. Ça, c'est censé cacher tes titis. Par contre, j'ai peur qu'elle soit transparente. Oh, j'adore. Regardez. Derrière, vous avez un géant nœud comme ceci. Le dos est nu. Le dos est nu. Si t'as invité à un mariage ou quoi, franchement, elle fait pas du tout cheap. Petite ouverture ici. Petit décolleté ici, hop. Alors, hop là, du coup ça va derrière. Ici, au niveau de la ceinture, enfin moi j'ai pris du L et ça me sert pile poil ce qu'il faut. On a du coup un voilage qui est super long avec des petites ouvertures sur les côtés. Et là en dessous on a une doublure, donc on voit pas votre culotte. Enfin, c'est un peu transparent, mais je veux dire avec une culotte chère ou quoi, ça passe plutôt bien. Robe suivante, dans le même style que celle que j'ai essayée avant celle-ci du coup, qui est du coup comme ceci. Hop. Et c'est exactement la même, mais pratiquement la même couleur. Oh oui, j'avais oublié qu'elle était courte et qu'elle était moulante et qu'elle était comme ça. Oh là là, j'adore.
là, celle-ci, elle est vraiment mini, sexy, nini. Hein. Effectivement, celle-ci est très, très, très courte, mais tellement jolie. Regardez, elle m'arrive genre pile poil en bas des fesses. Je ne sais pas si je serai sereine de la porter en extérieur. Franchement, elle est sympa. Après, ouais, elle est courte. Je vais le répéter 15 fois, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude. Au moins de porter des trucs aussi courts. Mais ouais, je la trouve jolie, franchement. Elle est... Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, on est entre copines, entre copains. Dites-moi ce que vous pensez de cette robe. Je sais pas, après, bon, faudrait que ce soit un peu plus serré. Mais ouais, je la trouve belle. J'avais pris cette paire de fausses Alexander McQueen, enfin ce dupe, et c'était lors de mon swap avec mon chéri qu'on a fait, je vous la mettrai juste ici, quand j'ai fait ma sélection chez In. Et du coup, je pense qu'avec des baskets, ça va grave casser le côté un peu mini de cette robe. Dernière robe, il me semble, c'est une robe que j'ai aussi ajoutée au dernier moment dans mon panier. Je crois que c'était une nouveauté et... Alors, attendez. Je me rappelle plus qu'elle était comme ça. Alors, je vous montre de plus près. C'est des petits motifs comme ça à fleurs. Par contre, elle m'a l'air super courte. Genre, je les prends en quelle taille? Attendez. Parce que là, ouais, je les prends en taille L. Encore une fois, j'ai tout pris en taille L. Mais elle m'a l'air... Wesh. Franchement, ça m'a l'air d'être un t-shirt, ça, les gars. Genre, je vais pas sortir avec quelque chose d'aussi mini. Écoutez, on va essayer. Voilà ce que ça donne pour cette robe. Je vous avouerai que je la trouve assez courte. Mais ça va, tu vois, genre ça arrive en dessous de mes fesses et les froufrous un peu plus bas que la fin de mes fesses. En revanche, c'est la, je sais pas, c'est la tête de la robe, enfin c'est les motifs. Je l'ai trouvé beaucoup plus jolie. Après, je la trouve quand même jolie et c'est pas ce qui va m'empêcher de la porter. Parce qu'elle est vraiment sympa avec les beaux jours et tout. Je m'aurais bien faire des photos Insta avec. Mais je sais pas. Est-ce que je vous le montre maintenant ou pas? Allez, je vous le montre. J'ai pris du coup un maillot pour la fête des mères à ma maman. Parce qu'en fait, lors de mon deuxième haul chez In, je vous le mettrai encore là, j'avais acheté un truc chacun pour toute ma famille. Et en fait, le maillot de ma maman qu'elle avait pris était en rupture. Du coup, je lui ai repris. Et je pense que ça va lui plaire. Enfin, je sais pas. Il est pas magnifique. Il est trop beau. Il est comme ceci, tropical. Je pense que même pour vous, ça peut vous donner des idées. Et le haut, il est comme ceci. On va passer cette fois-ci à un ensemble. Encore une fois, je vous ai dit que c'était la couleur de l'été. C'est un ensemble comme ceci. Vous savez mon amour pour les pantalons pas de dev. Et avec ça, on a un petit haut comme ceci. Donc moitié, comme la robe du début en fait. Moitié bustier, moitié bretelle. Et écoutez, on essaye ça de suite. Le pantalon pour les petites, ça va être mort. Hein. J'adore, je kiffe. J'adore, je suis fan, je suis fan, je suis fan. Donc là, on voit un peu ma culotte. Je suis fan, je pense qu'il faut mettre un string hein, avec ça parce que littéralement les grosses culottes de mémé comme j'ai l'habitude de porter ça passe pas. Au niveau du haut, il est crop top mais pas trop non plus, enfin si, il est quand même assez crop top. Mais étant donné que le pantalon monte assez haut, je trouve que ça va, matière super fluide, hyper élastique. Where is my sac? Avec lequel on fait le test depuis tout à l'heure. Il est là mon petit sac. Non, je kiffe. Mais qu'est-ce que j'ai pris? Oh non, j'ai changé au dernier moment. C'est une paire de sandales que vous pouvez retrouver sur Insta, mais vraiment de partout. Je sais pas si je vais oser la porter dehors, parce que moi j'aime bien faire des photos Insta, mais pas m'habiller comme sur Insta dans la vraie vie. Du coup, écoutez, je les essaye, j'espère qu'elles me vont. Elles ont l'air hyper robustes. Alors, petit crash test. Si vous êtes comme moi et que vous portez pas beaucoup de talons, c'est pas non plus les talons les plus agréables, mais c'est pas non plus des talons hyper aiguilles avec lesquels t'arrives pas à marcher et que tu marches 2 minutes et tu les enlèves après. J'ai voulu faire un test. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Enfin, en fait, sur le site, là, je le vois à travers le haut que j'ai pris un haut et un pantalon. Le pantalon est parti en deux, c'était nouveauté et il est en rupture de stock après. Du coup, j'ai pris un haut comme ceci, mais je pensais pas qu'il allait être aussi jeune. Enfin, là, la caméra, vous le voyez quand même beige. Non, en vrai, il est beige. Mais non, en fait c'est ça la couleur, mais je pensais vraiment qu'il allait être plus blanc crème, tu vois. Mais bref, du coup c'est un petit haut comme ça avec un décolleté devant et des manches courtes. Et pour aller avec, là c'est moi-même qui ai créé l'ensemble hein. Pour aller avec, du coup j'ai pris un pantalon qui est censé être cintré à la taille et vraiment pas de def sur le reste. Je pensais vraiment que c'était la même couleur hein, quand j'avais vu sur le site. Là franchement le haut est un peu plus jeune. En fait je pensais vraiment que le haut était de cette couleur.
Là je sais pas si vous allez voir, mais le haut il est quand même un peu plus jeune. Après écoutez, ça passe, c'est pas dramatique. Mais je sais pas du coup si je vais porter les deux ensemble. Voilà ce que ça donne pour l'ensemble. Franchement je trouve qu'au final les deux ça va bien ensemble. Le haut il est un peu matière, un peu laine. Et le pantalon, je sais pas si c'était Shein Premium, parce que vous savez sur Shein ils ont aussi une gamme un peu plus luxueuse on va dire. Je trouve que ça se marie super bien finalement avec ce haut. Je sais pas ce que vous en pensez, dites moi, mais moi je trouve que ça fait classe. Prochain ensemble, vous savez aussi mon amour pour les ensembles. Franchement j'adore ça, je suis flemmard, donc le matin j'aime bien me lever et avoir le haut et le bas qui vont directement ensemble. Du coup j'ai pris un ensemble assez chill, assez simple en fait, basique vraiment. Il n'y a rien de plus basique que cet ensemble là. Toujours pas de def parce qu'on adore ça. Resserré à la taille, gris comme ceci. Il est côtelé. Donc côtelé c'est quand il y a des petites rayures. Et encore une fois c'est le même principe que l'autre haut, c'est-à-dire bustier. Bustier avec une petite bretelle. Donc écoutez, on va essayer ça de suite. Mais ça je pense que franchement, même si je veux pas le porter pour l'extérieur, je le mettrai même en tant que pyjama, ça passera super bien. Voici ce que ça donne pour cet ensemble là. Franchement j'ai rien à dire. En revanche pour le bas du pantalon, il est largement plus court que le vert que je vous ai montré. Donc pour les petites de taille, je pense qu'il va vous aller pile poil. Enfin si vous êtes un peu plus petite que moi, il va vous aller pile poil à la cheville. Je valide, je ne peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment génial. On passe du coup à l'avant-dernier ensemble, qui est un ensemble hyper coloré. On passe du tout au tout, hein, du gris à la couleur. Le jaune, l'été, je kiffe. Je kiffe le jaune, l'été. Franchement j'adore. Et du coup j'ai pris un ensemble. C'était une nouveauté. La plupart des choses que j'ai pris, enfin au moment où je les ai prises, c'était des nouveautés. Là après ils sortent des nouveautés tous les jours. Donc voilà. Mais ça faisait partie des nouveautés. Et du coup on a en fait un pantalon qui est comme ceci. Et du coup devant vous avez un petit resserrage comme ça là, qui est comme ceci l'ensemble. Et au niveau, par contre là ce pantalon là sur la modèle, au niveau des jambes il était court. Et au niveau du haut c'est vraiment un mini haut sexy mini comme ça. Oh, resserrer un peu, de toute façon je l'essaye et j'arrête de parler, j'essaye et on se retrouve pour que je vous donne mon avis. Ah oui voilà, c'était comme ça qu'elle portait. Ok, donc ici il faut resserrer et ensuite on attache du coup. Bon, moi j'attache les deux en même temps. Oh, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Je kiffe. Il est quand même énormément transparent. Donc là vous êtes obligé de mettre un truc cher. Franchement j'ai dû le dire 15 000 fois dans la commande. Mais je suis fan de tout ce que j'ai pris. Franchement Shein, là. Dernier ensemble. Il s'agit du coup d'une jupe. Je crois. Je crois que c'est une jupe. Froncé sur les côtés, donc c'est hyper tendance en ce moment, hein. Vous allez voir ça de partout. Hyper légère, hyper fluide, idéal pour la plage. Et je sais pas, mais je vais avoir la razzia des hauts comme ça, hein. Je l'ai en gris, en vert et maintenant en bleu. Donc écoutez, on essaye ça de suite et on va voir si je valide ou pas cette petite tenue. Non, je suis fan, mais je suis fan de tout. Mon dieu, j'ai envie d'aller recommander d'autres trucs. J'adore, je trouve que l'effet froncé sur les côtés, ça change tout à une robe. Franchement, ça met grave le corps en valeur, j'adore. Mon ventre, mon petit bidou, enfin mon petit bidou, mon gros bidou même, il est assez camouflé. Mon haut, bon, le haut est assez crop top, hein, c'est-à-dire que là, je lève, mais t'as vu, je fais attention de comment je lève mes bras. C'est pas transparent du tout. Je sais pas du tout si ça va aller ensemble, mais du coup, j'ai pris une robe blazer, parce que je l'avais vue, mais je crois que je la voulais depuis cet hiver, je sais plus. Et du coup, je l'ai prise maintenant, c'est un long blazer beige. Qualité et c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Alors là je sais pas si ça va aller avec cet ensemble là. Je l'ai pris en taille, en quelle taille je l'ai pris? Normalement j'ai tout pris en taille L. Genre vraiment si vous avez à peu près la même morphologie que moi, ça va vous aller ben pareil qu'à moi. Et elle est trop belle. Elle est pas super épaisse. Donc même là pour un printemps été je trouve que ça passe. Je la trouve super classe. Puis finalement avec cette couleur c'est pas hyper choquant. Bon je la mettrai peut-être pas avec cette couleur, enfin je sais pas. Mais je trouve que c'est super joli. Elle est super belle au niveau des manches, elle me tombe parfait. J'adore. Il nous reste 3 produits. On a ce produit-ci du coup, enfin ce produit-ci, cet ensemble-ci qui est un ensemble de pyjama. J'ai jamais pris des trucs de pyjama sur Shein. Du coup je me suis dit que j'allais tester pour vous. Et du coup j'ai pris un peignoir avec un shorty, un haut un peu, tu vois, un peu, voilà. Oh, je vais l'essayer avec vous. Est-ce qu'on l'essaye avec vous? Allez, c'est bon. De toute façon, c'est un pyjama. J'ai envie de vous dire, vous allez sur TikTok, vous voyez des meufs en maillot et tout, c'est encore pire que moi. Par contre, le haut, je vais pas le mettre. Le haut, je vais pas le mettre, hein. On est d'accord, ok, tu vas sur TikTok, tu vois des choses pires. Mais le haut, voilà, c'est un peu d'intimité quand même. Non, mais la couleur, s'il vous plaît.
Mais même les pyjamas, ils sont trop beaux. J'adore le bleu. Et ça, ce haut là, je serais grave capable de le mettre. Là, tu vois ta tâche, tu mets un short en jean en dessous avec un petit haut. Au dos, c'est pas hyper court. Ça te fait même une robe, genre avec des talons. Je trouve que ça passe super bien. Ça l'été, franchement, c'est un truc que je peux même porter, pas pour pyjama. Les deux derniers articles, je vais vous les présenter maintenant et puis ensuite je les essayerai à chaque fois. Vous savez que je me suis remise au sport et depuis que je me suis remise, en fait, toutes mes tenues de sport viennent de chez Shein. Donc on a un premier ensemble qui est bleu, comme ceci. Je me suis dit pour l'été et tout, j'ai pris, à la différence des autres fois, des shorts. Voilà, d'habitude je prenais des leggings. Là on a une grosse ceinture qui je pense va bien maintenir la taille. La couleur je la trouve magnifique. Deuxième ensemble c'est un genre de saumon pastel. Et pareil toujours sous forme de short comme ceci. Donc il est un peu matelassé. Je sais pas si vous allez voir, il est un peu matelassé. Du coup c'est parti, on va essayer ces deux petits ensembles. Et on en aura enfin fini pour ce haul. Je le trouve magnifique. Je trouve que là avec l'été il passe super bien. Aucune transparence. Au niveau du dos du coup c'est comme ceci. Je trouve que là la forme là ça fait. Ah par contre au niveau du bas on voit un peu ma culotte. Mais bon aussi j'ai mis une culotte noire. Donc il faudra mettre une culotte chère je pense. Là vous avez une forme en fait qui fait que ça fait bien ressortir la forme des fesses. Il est vraiment beau. Vous en pensez quoi vous? Moi j'aime bien pour l'été, après c'est un ensemble de sport tu vois. Même si ta tenue elle est moche, autant que tu fais du sport c'est le principal. Mais moi ça motive d'avoir des belles tenues, me sentir bien à l'aise et tout. Franchement je kiffe cette tenue. Elle est trop belle, je kiffe, je suis grave confortable dedans. Donc écoutez, je pense que j'ai quand même une préférence pour l'autre. Au niveau de celle-ci là, vous avez quand même des baleines, enfin du rembourrage à l'intérieur. Mais je trouve qu'il est plutôt bien placé, contrairement à d'autres brassières qu'on peut voir sur Shein. Genre t'as pas envie de les enlever tu vois. Genre là vraiment elles sont bien placées. Au niveau du dos du coup de la brassière ça donne ça. Là je sens que c'est beaucoup plus maintenu au niveau de la taille avec cet ensemble là qu'avec l'autre. L'autre il est beaucoup plus flexible mais celui-ci je pense qu'il va tenir un peu plus chaud quand même. Mais écoutez j'aime beaucoup. Écoutez on en a enfin fini pour ce haul Shein. Je pense qu'il aura duré une éternité. Je suis désolée je parle trop, j'aime bien exprimer ma joie. Et j'avoue qu'il y avait quand même pas mal d'articles. Donc écoutez j'espère que ce haul vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de profiter de mon code promo qui est valable jusqu'à juin du coup et qui vous donne moins 15% sur tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, mais également sur tout le site Shein sans minimum d'achat. Je vous l'affiche juste ici. Dites-moi vous quelle était votre pièce préférée ou quel autre article vous me recommandez de tester sur ce site. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir toutes mes photos, comment j'associe chacun des looks, même si en soi j'ai pris des robes et des ensembles donc c'est pas compliqué de bien les associer. Mais n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que je vais essayer de vous poster des belles photos, un contenu un peu plus travaillé. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.